Salut tout le monde, bienvenue pour la suite des aventures de Abby dans The Last of Us Part 2. Et là, on se rapproche du moment où Abby découvre ce qu'elle a fait Ellie à ses amis Owen et Mel. Je pense qu'on y arrive vraiment. Et peut-être que durant cet épisode, on aura une transition où on va pouvoir rejouer Ellie. Moi, je veux rejouer Ellie. Parce qu'Abby, à un moment donné, ça va 5 minutes, mais... Voilà, moi je préfère Ellie. Donc du coup, on doit essayer de retrouver Jeve avec sa sœur, qui a été opérée, et que tout se passe bien, nickel et tout. Et Mel nous a annoncé l'épisode précédent comme quoi qu'elle ne voulait plus nous voir, et qu'elle voulait s'éloigner de nous, parce qu'on a tiré des problèmes. Bon, sans plus tarder, on va se mettre tout de suite en phase de jeu. Voilà, on n'avance pas sans vous, vous le voyez très bien. Et on y va, on va suivre, je ne sais même plus son nom. Lève. Ah, Yara, voilà. Lève, reviens s'il te plaît. Salut Franck. Pourquoi Lève ne veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Pour l'aider? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lève. Lève! Lève! Je vous laisse profiter des dialogues. Lève, viens ici! Lève! 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 Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Ah. Tu as entendu? T'es là-dedans? N'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi? Elle te fera pas de mal. Tiens, regarde. Va chercher, ma belle. Non, mais c'est bon. Fais-la elle! J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, ah. Encore une fois. Tiens, va par là. Oui, t'es rapide. Non, mais c'est bon là, je voudrais bien avancer dans l'histoire. Tu veux essayer? Oh putain. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein? Non. Pas de danger. Je peux recommencer. Je crois qu'elle demande que ça. Très bien. Bon, c'est bon là? On peut avancer ou pas? Oh putain. Non mais sérieux, il faut faire ça? C'est quoi ce... Là, tu sais sauter à travers? Non, tu sais pas? On peut avancer ou pas? Parce que sinon, au pire, je m'en fous. On devrait continuer de le chercher. Ah. C'est pas que je m'en fous, j'aime bien les animaux, mais bon, à un moment donné, il faut chercher son frère, quoi. Il faut avancer dans l'intrigue. Lève! Salut, ça c'est qui? Pourquoi il fait ça?
Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler... Libby. Pendant longtemps... Je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Bon, on va aller chercher un petit cadeau. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Carrément. Des anciens ou l'une des anciennes, parce que... Je sais pas. C'est où Santa Barbara? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Allez, on avance. On part en bonne, hein. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Attends. Par là. Par là. Oh, attends. Ah, là peut-être. Non. T'es où? Ah merde, il est où? Ah, c'est quoi ça? Et ça, t'en dis quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby? Ah. Tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolé, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah, c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Elle ne comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi.
Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu ? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Voilà la marina. Tu te sens bien? Non mais ils sont sérieux là? Ok. Oh là 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 là, mais comment? Ah ça non, je suis pas content là, mais franchement. On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ah, mais comment rallonger la durée de vie inutilement quoi? À quoi? J'espère que ça va servir à quelque chose au scénario parce que je vois pas en quoi ça sert de servir le scénario là. Puis je commence à en avoir ras le bol de jouer à Abby, hein, honnêtement. Rendez-moi Ellie, un bordel de cul. Oh putain, tu crois que c'est la fin? Tu crois qu'Aïe c'est bon? Tu vas avoir le passage où elle découvre tu sais qui, tu sais quoi? Non. Ah bah non. Wow. On va te faire autre chose. C'est trop long. Oh là là, trop... Là, ça j'aime pas ça. Ah là. Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. C'est un peu tiré, sur l'élastique pour faire durer, pour augmenter la longueur, quoi. Fais gaffe. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ouais, ensuite, vite, vite, vite. Hein. Alors, moi je suis pressé. Hein. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Je crois que Lev finira par changer d'avis. Ça n'a rien alors. C'est une vraie tête unique. Il devrait pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Mais il est trop indulgent avec elle. En même temps, c'est sa mère. Peut-être. Mais ça est son contre-fiche. Salut, Michael. Je suis vraiment pas fan de cette partie-là. Ah. Attends, je peux récupérer ces... Non, c'était une feuille, hein, je vais laisser. Ouais. Bon.
c'est par là. Évite au max de mêler ton bras. C'est trop tard. Ok. Avance. Laisse-moi faire. Attends. Je m'en occupe. Allez, c'est bon, vas-y. Ne dis pas qu'on va avoir un passage dans les égouts. Non ? Non. Ah, je peux pas courir. Hein. Les bateaux sont de l'autre côté là-bas. Faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Mais qu'est-ce qu'elle va aider, elle ? Elle est blessée. Ah, attends. Fermé. Ok. Ouais, c'est ça. Ah. Joue au pendu. Anati EU. Ah. Vicky, sois prudente. Mon bateau a essuyé deux fois des tirs aujourd'hui. Je te conseillerais bien d'emmener le chalutier plus au large. La houle est forte et tu risques de rendre plusieurs fois ton déjeuner. Mais c'est mieux que de se faire buter par un sniper Scar. Il faudrait se battre pour récupérer l'éclosorie. L'éclosorie. On cherche des ennuis à s'aventurer aussi loin en territoire des Scar. Isaac a perdu la boule ou quoi? Peut-être qu'à la fin de ce service, on devrait demander à se faire réaffecter. Plutôt que d'éplucher toutes les patates du monde... Plutôt éplucher toutes les patates du monde, plutôt que de me retrouver à nouveau coincé ici. Je t'en prie, fais attention, on se revoit au bercail, Kent. D'accord. Ah, j'ai une trousse à pharmacie ici. Ok, bon, on va prendre l'échelle. Sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, je vais t'y pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Des scars, des wolves. Est-ce que nous, en étant wolves, on va tuer des wolves? Bien doux.
Dépêche-toi! Oh putain, m'a fait peur! Putain! Oui, pourquoi t'es là? Manny? T'es venu seul? Ouais. Merde! Ce sniper, c'est un putain de... Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canots, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canots. Maintenant! Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Comme par hasard. Bon. Ça doit être quelqu'un qu'on connaît. Hein. Planque-toi! Allez, allez! Par ici! Si. Par ici! Ça serait pas Tommy? On va voir. Je pose la question, je parle à moi-même, ne répondez pas en live, attention. T'inquiète, on va le choper. Putain. Vite! Allez, j'y vais! Aïe! Aïe! Je sais pas. Bien, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Comment je fais? Le chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez, allez. Cours, 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 cours. Putain, il est doué. Sans déconner. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Merde. Ah. Non. Ok. Manny. Je suis sûr on le connaît. Je pense que c'est Tommy, c'est... Si je me souviens bien, je crois que dans le premier c'était un bon sniper, Tommy. Peut-être pas. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Ah le bâtard. Il fait ma technique. On aille sur le pont. Il est où? Oh!
de balles. On attelle le pont avant qu'il s'échappe. Ouais. Aïe. C'est lui qui vient. Ouais, c'est chaud, hein. Mais j'ai plus de balles, là. Je suis dans le caca, hein. D'avoir ce type en face de moi. Ah. Ami, par ici. Mais je suis con. Zut, voilà. Allez. Vas-y. Faites votre chrono. Il peut pas être loin. Moi je pense que c'est À terre. Et merde. Oh putain, comment j'ai volé. Faut que je le tue là. Il est juste là. Allez, 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 allez. Surtout t'arrête pas. Merde, attention. Attends, je fouille, je fouille. C'est foutu, Bender. On connaît, mais c'est pas possible. Waouh. C'est Tommy. Waouh. Ah, il est balèze, hein. Contourne-le. Attends. D'abord. Tu le vois? Ouais, je le vois, c'est bon. Ah, je vais pas tuer Tommy. De toute façon, il meurt pas. Hein. On va faire un truc. Avance. Là. Là. Waouh. Merde. Il est coincé. Non. Quoi? J'attends. Par ici. Tu ramènes cet enfoiré à Isaac, et tu remonteras dans son estime. Je sais pas ce qui restera de lui quand on aura fini. Bon, vous êtes prêts? La révélation? Allez, plein écran. Manny. Je pense, hein. Moi j'ai reconnu Tommy, hein. On va. Oh. Oh la vache. Ah bah ça, il s'est vengé, hein. Oh la vache! Cette scène de ouf! Ah bah il est bon, hein, Tommy. Je pense que c'est Tommy, c'est obligé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le live? Vous pensez que c'est Tommy? Me dites pas si vous savez, hein. C'est clairement Tommy, hein. Mais j'ai plus de balles, quoi. Je
possible. Je l'ai reconnu, hein. Toi, tu dis que c'est lui ? C'est par là. Moi je l'ai reconnu en tout cas. Je l'ai reconnu au loin avec sa queue là. Je parle de coiffure, ne vous excitez pas. Bon allez, on y go. Et voilà. C'est bien Tommy. Je sais qu'il est pas mort. Je sais. C'est par où? Suis-moi. Bon, allez, on est reparti. Mais moi, je voudrais bien retrouver ma petite Ellie. Y a pas de garde? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Je suis des balles. Hein. On va avoir le droit au siffleur ici, non? Regarde, c'est le bateau de Len. Oh, il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Oh, on va la rencontrer? C'est loin. De l'autre côté de l'île. Merde. C'est... Ah non, attends. Si on s'est repéré. Non, non. On va éviter les la prophète, elle était morte, il avait dit, personne je crois. Ne nous verra. T'es sûr que les Wolves vont attaquer cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? C'est beau, hein. Au point où on en est? À n'importe quel prix. En haut. Il va réussir à monter? C'est le plus rapide. Mouais. Bon, l'autre phase, elle était, tu vois, j'étais encore une grosse gueule, elle était utile. Enfin, utile. Ouais, parce qu'on a vu Tommy, voilà. Je vois pas où que ça a été utile dans le scénario, en fait. C'est juste pour montrer que Manny est mort, quoi. Je pense. Que Tommy, il a descendu, quoi. Abby, je fais le plein de matos. Juste au cas où. Sinon, elle est pas utile. Il est pas utile dans le scénario, ce truc-là. Je pense, hein. Bon, on va recharger un petit peu ses armes, puisqu'on a eu quelques munitions. Alors, merde, j'ai pas chargé. Voilà. Allez. Oh, c'est joli, ça. Que tu connais? Juste de vue. Je suis désolée pour tes amis. Ah. C'est comme ça. Ça picolait en conduisant. Oh. C'est votre village? Non, ça c'est Even. Le nôtre est plus loin dans les terres.
D'accord. Allez, cours, 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 cours. J'ai un jeu. C'est quoi ça? C'est notre signal d'alerte. Les Wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Ah, d'accord. Quand j'entendais ce truc-là, c'était ça, en fait. Par le camp des bûcherons. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici? Une vie en vie. Et combien de soldats? La moitié d'entre nous a été entraînée au combat. Et que fera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer? Certains iront se cacher. Mais les autres vont se battre. Ah, faut que je me mette à couper. C'est bon. C'est bon? Tu c'est joli chez vous, hein? Un petit côté Obélix et tout, c'est sympa. Il y a personne ici. Ils sont allés se battre. Hein? Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Lol. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Un truc que mon père disait souvent. Mais elle, la prophète, ne répondait pas encore une fois sur le live, je parle à moi-même, mais la prophète, elle est morte, c'est ce qu'il avait dit, hein, je crois, Jeff, hein, si je me souviens bien. Bon, on verra. On doit grimper là-haut. Quoi? Comment je fais? Ah, je pousse ça. On entend parler. Il n'y a rien ici. Ah. Ça là. Ah. Toujours bon à prendre ça. Zou. On est tous les armes que vous trouverez. Des fusils, des armes, n'importe quoi. Et apportez-les dans l'abri. Vite. C'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la Syrie. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui. On peut couper par là. Parfait. Viens. Bon. Fermez le portail! Verrouillez le camp! Je peux pas aller. Je parie que je dois aller en. À notre gauche. Quoi? Oh putain, il y a des trucs là. La nuit promet d'être longue. Et je parie que je peux pas les tuer. Pas. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. Après. Pour le bien de ton peuple. Hein? Tu le sauras. Quand le moment sera venu. Je vais essayer juste pour voir. Voir ce qu'elle dit, la fille. Parce qu'elle est avec eux, hein, normalement. Oh. Bon, attends, on va bouger. Viens, on va par là. Ah, là, il y a quelqu'un. Ça te dérange pas? Je tue ton clan et ça te dérange pas? D'accord. Bon bah c'est parti. Qu'est-ce qu'il me voit? Oh, il y a plein de trucs ici. Attends.
Non! Merde. Wolf dans le village! Ah! Ah, mais laisse-moi tirer! Aïe! Bon, j'ai pas été le plus doué, hein, mais bon. Avec Abby, j'ai pas envie de jouer discrétion en fait. Avec elle. On s'en fout. Merde. Tire dessus. Ah, t'es là, toi. Merde, non, j'appuie sur le bouton. C'est fini. Voilà. Oui. Est-ce que ça va? Oui, juste un peu essoufflé. Allez, on va pouvoir filer un petit peu. Ouais, avec Abby, j'ai pas envie de jouer esquive, enfin cache-cache, etc. Un peu plus brutal. Lève-toi. J'ai fouillé ici. Hein. Oui. Hein. Cool. Ah, là, non. 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 Ici, on ne voit rien. Bon, bah, c'est bon. Par là. Ok.
Allez, on va la suivre un petit peu, après ça mettra fin à cette VOD. Je pense qu'on va avoir peut-être le combat un peu... Ah oui. Oh, il y a encore tout un village. Putain de merde. Juste elle nous protéger. Yara, il faut y aller. Isaac, qu'est-ce que tu fous? Quoi? Il y a quoi? Ah oui, les bateaux, regarde. Ça va attaquer. Oui, mais ça, on le verra. On le verra, on le verra dans un prochain épisode. Merci, en live on continue, ne vous inquiétez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, j'étais un peu grosse gueule au début en disant que voilà, c'est tiré sur l'élastique pour rallonger le, l'élastique en lui-même. Et c'est une métaphore pour dire que voilà, on voit des choses qui sont peut-être pas forcément inutiles pour rallonger la durée de vie, rallonger l'histoire. Je le pense sur certaines phases, comme cette phase-là, est-ce qu'elle était utile? On va voir par la suite. Mais la phase d'avant, celle de Tommy, ça nous permettait de voir Tommy tuer Amy, je crois. Voilà. Mais est-ce qu'elle était vraiment utile, cette phase-là? Je comprends que il y a beaucoup de personnes, de joueurs... Alors, je me suis pas spoil ou quoi que ce soit, hein, vous inquiétez pas. Mais je connais des personnes qui m'ont dit comme quoi qu'ils avaient... pas aimé, comme Devil, qui fait partie du groupe PRST, il avait dit qu'il avait pas aimé la deuxième partie, et que quant à Inad, lui, il a super bien aimé. Du coup, on va voir, est-ce que c'est, je suis dans la deuxième partie? On va voir ça. Je vais juste faire un truc, je vais vous dire ça tout de suite. Où est-ce que j'en suis? Alors, j'en suis à exactement 26h51 de jeu. Donc, est-ce que je suis dans la deuxième partie? Ça, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Moi, ce passage-là, il me plaît pas trop. Je vais être honnête, il me plaît pas trop. On verra par la suite. J'ai vraiment hâte de retrouver Ellie. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de commenter, de liker et de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!